Je prendrai un demi pour commencer, s'il te plaît. Vous l'avez choisi Kosovo manger, gars? Moi, je me prends toujours la même affaire ici, j'ai fait un magret de canard, il est pas mauvais. Ou prends que ça, une salade. Ah d'ailleurs, Marc, s'il te plaît, je vais prendre un verre de Chablis avec mon repas. Ah, mais tu m'accompagnes? Ah ben, je vais pas boire tout seul, quand même. Non, mais ta copine, elle en saura rien. Fais pas ta tapette, allez, Marc, deux verres de Chablis, s'il te plaît. Sinon, t'as trouvé un travail depuis l'année dernière, parce que t'as fini ton master avant moi, c'est ça? Tu travailles à la mairie en ce moment, le temps de trouver un poste dans un cabinet d'avocat? Non, mais gars, ma fin diao, si tu veux trouver un travail tout de suite, il faut qu'on quitte la Réunion. Moi, mais il passe encore mon diplôme notarial cette année. Ouais, mais on connaît comme ma redouble ma licence, mais il a un peu de retard. Mais il va finir par gagner à l'I, hein, faut bien qu'un Mouni récupère le cabinet, papa. Donc là, il déconne plus trop, il limite mon bain de sortie, il met mon tête en place, comme il dit. Papa, son assistant aide à moi avec 2-3 cours d'ailleurs. Bon, après, il me passe pas tout mon temps de travail, hein. Nous là encore jeunes, faut même profiter de la vie. Vous voulez pas d'accord sans moi? Bah, le mois dernier, papa avait 2-3 affaires à régler à Paris, m'a accompagné à Lille. Gars, ma femme, moi, le classico PSGOM au Parc des Princes. Putain, l'ambiance quoi! Non, mais plus le temps y passe, plus le Ben Loge VIP les classe quoi. Après, nous, on profite, passe une semaine sur Paris, nous achète 2-3 vêtements. Ouais, mais mes chaussures là, 350 €. Et encore, le gars m'a fait un prix. Ouais, salut enfoiré, comment ça va? Je fais quoi ce soir? Rien de spécial, pourquoi? Tu vas dans quelle boîte? Ok, j'ai une bouteille de champ là-bas de toute façon. Ouais, bon, on se retrouve tout à l'heure. Par contre, tu me fais pas honte comme la dernière fois, un connard. Attends, mais la chemise verte camouflage là, je vais plus la voir. Mais je m'en fous que ce soit une Saint-Laurent, elle était trop moche. Ouais, c'est ça, tout à l'heure, enculé. C'était Charles, tu le connais, non? Ouais, son père est chef d'une entreprise au port. On va en boîte ce soir, on veut venir? Lève 2-3 tantines, ou notre copine. Mais où la case a trop vide, gars? Moi, m'y profite tant que m'y peut. Comme il aura 29-30 ans, il va peut-être pause à moi. Il prendra un tantine, il va occupe de Lim, il va acheter un casse, fallit 2-3 enfants, fonde une famille quoi. Et puis comme dit papa, c'est pas parce qu'on est marié qu'on est obligé de tremper dans la même soupe tous les soirs. Par contre, il commence à faire chier à moi ce téléphone. Je sais pas pourquoi j'ai repris un iPhone. Ça fait 2 mois que je l'ai, il m'énerve, je vais devoir repasser un Samsung sous Android. T'as quoi toi? Ouais, mais c'est un vieux modèle ça, il a 3 ans non? Non mais gaffe, faut faire gaffe à la manière dont tu t'équipes hein. Non mais faut investir dans de bons objets, c'est comme pour la voiture. T'as vu la mienne? Ouais, c'est celle qui est garée sur le trottoir derrière le restaurant. T'as vu comment elle claque? Papa me l'a acheté quand je déprimais d'avoir raté ma licence. Il voulait me prendre une petite Ferrari, mais je lui ai dit non. Je lui ai dit, papa, ok, on a de l'argent, mais faudrait quand même pas déconner. Tu m'achèteras la Ferrari quand j'aurai mon diplôme. Donc pour le moment, j'ai choisi une Mercedes. Marc, un autre verre pour moi, s'il te plaît. Tu reprendras un verre de vin, non? Non, t'es sûr? Mais maintenant que j'y pense, comme on travaille à la mairie, vous voudrez pas viser un peu plus haut? Non, mais cause directement avec le maire, gars. Non, mais c'est le meilleur moyen pour de grimper les échelons, hein. Tout est politique, gars, c'est comme ça que ça marche. Et moi, je vais me lancer bientôt. J'ai rencontré pas mal de monde ces derniers temps. Bah, tiens, je serai d'ailleurs sur la liste du maire pour sa réélection. Il vous donne un nouveau souffle à sa campagne, donner une image beaucoup plus jeune. Et qui mieux que moi pour représenter la jeunesse, la commune? Si m'y rentre adjoint, m'y fera un affaire pour. Mais c'est ça qu'il faut viser à notre âge, gars, le pouvoir et l'argent. On veut pas faire comme Frédéric. Le gars était major de sa promo, il a tout quitté pour aller faire de l'humanitaire au Malawi. On l'a vu les photos sur Facebook? Il dort dans une tente, quoi. Le gars connaîtra jamais le confort d'un 5 étoiles. Non, mais le type est en train de gâcher sa vie. Tiens, derrière toi, regarde pas, mais il y a Linda. Ma sorte s'emmenait vite fait l'année dernière. Non, mais là, il allait, ça y allait, hein. Il était beaucoup plus joli que ça, hein. Attends, mais il doit avoir 2-3 photos sur mon cloud. Excusez-moi, on a un peu trop de photos de tantine là-dedans. Hein. Oui, Marc, on a fini, tu peux ramener les plats. Par contre, niveau qualité, ça a un peu baissé ces derniers temps, hein. Ah ouais, c'était quand même mieux avant. Tu le diras au chef, hein. Alors on fait comment? On va pas se prendre la tête. Moitié-moitié. Alors du coup, je vais en boîte avec Charles, tu veux venir ou pas? Mais putain, fais pas ton timide, allez. J'ai encore une bouteille de champagne là-bas, je te dis. Ne dira pas aux tantines que ça nous l'a fait. Non mais il trouve que ça un petit peu trop dirigé par Phila, hein. Non mais sans déconner, gars, faut être un peu plus indépendant dans la vie, hein.